Comme ça, je ferme. Voilà. Du coup, je ferme. Je suis pas sûr que. Ok, donc ça je vais laisser comme ça. Yes. Ok, donc ça, je vais mettre ça dans un coin en bas. Voilà. Ok, donc ça. Voilà. Donc en fait, je reprends du coup l'exercice. Alors qu'est-ce qui n'était pas là du coup ? J'ai pas vu Loïc, je crois. Je vais marquer ce qui est absent. J'ai pas vu Natis. Eloi, il est pas là non plus. Quentin non plus, il me semble pas l'avoir vu. Phébé, j'ai eu mal d'absent quand même. Manon, Romain, c'est bon. Solène, c'est bon. Alexandre aussi qui est pas là. Marion et Cataldo. Voilà. Donc j'en ai 4, 5, 6. Donc il y a 6 absents. Donc voilà, on leur enverra la vidéo. Du coup, alors je reprends. On s'est arrêté donc à l'exercice sur la comparaison entre le fer et l'aluminium. Et là, on va s'intéresser à la corrosion du fer. Et donc on considère en fait que le fer, il va être attaqué par une goutte d'eau. Mais une goutte d'eau qui contient du chlore de sodium, c'est du sel. Alors en fait, donc ce que je vais faire, c'est faire une copie d'écran du document qui est là. Voilà, copie, je bascule, je vais même faire plutôt comme ça. Toc, je vais faire là. Voilà. Et donc ça, on va le basculer ici. Voilà. Donc en fait... voilà, je vais le mettre à peu près par là. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va vous demander ? La première chose, c'est d'indiquer sur le schéma, vu que c'est une pile, on considère qu'il y a deux électrodes, qu'on appelle pour l'instant E1, E2. On ne sait pas laquelle est l'anode, on ne sait pas laquelle est la cathode. Et on vous demande d'indiquer sur le schéma le sens de circulation des électrons. Et les demi-équations observées, on vous dit, sont les suivantes. Et il va falloir du coup compléter un tableau. Donc le tableau, c'est celui-là. Donc je vais le mettre à côté aussi. Voilà, c'est ce tableau-là qu'on va essayer de compléter. Donc je le mets sur la même page. Voilà. Ok. Et puis dans ce tableau, en fait, il va falloir qu'on complète, qu'on essaie de comprendre en fait quelles sont les réactions qui se produisent. Donc il y en a deux. On vous dit, on vous les donne. Donc il n'y a pas besoin de les équilibrer. Il y a celle-là. Voilà, cette réaction-là. Bon, je la mets là pour l'instant. Et puis, il y a cette équation-là aussi. Voilà, qu'il va falloir associer à la bonne électrode. Donc voilà tout ce que j'ai. Donc, la question, c'est déjà comment se déplacent les électrons dans cette micropile ? Comment vous comprenez ça ? Quel est l'indice qui va me permettre de savoir si est-ce que les électrons vont aller de E1 vers E2 ou de E2 vers E1, à votre avis? Et qu'est-ce que vous avez de représenté sur le dessin? Vous avez le... Le sens du courant. Le sens du courant. On vous dit qu'il va de E1 vers E2. Donc les électrons, ils vont faire quoi? Ils vont dans l'autre sens. Et ben, ils vont faire comme ça. Ils vont aller de E2 vers E1. Donc voilà le sens de déplacement des électrons. Alors ensuite, on va vous demander le déplacement des ions. Pourquoi des ions ? Parce que si vous mettez du sel dans l'eau, ça fait une solution d'eau salée. Le sel, c'est du chlore de sodium. Et dans le chlore de sodium, vous devez savoir qu'il y a deux ions. Alors comme ion, il y a... Alors je vais le marquer là. Il y a Na+, c'est les ions sodium. Et il y a Cl-, c'est les ions chlorure. Voilà. Alors d'après vous, comment ces ions vont se déplacer? Par exemple, si je prends Na+, Na+, il va se déplacer comment? Plutôt vers E2 ou plutôt vers E1? Alors,
Alors, je vais demander ça à qui ? On va commencer dans l'ordre que j'ai, moi. Bon, on va commencer par Ferdinand. Alors, Ferdinand, tu vas me dire dans quel sens circule les ions Na+, et dans quel sens circule les ions Cl-. Alors, Na+, est chargé comment ? Positif ou négatif ? Alors, je dirais positif. Donc, ça sera dans quel sens ? Le sens des électrons ou le sens du courant, du coup ? Si je charge positif, j'ai une chance sur deux. Bah... Je dirais le sens, sens des électrons. Bah, électron, c'est chargé comment ? Négativement. Donc, et l'inverse. Voilà, donc c'est le sens du courant en fait. Donc, si le courant, on voit bien sur l'écran qu'il fait comme ça, il va de E1 à E2, et donc comme ça fait une boucle, ça fait comme ça le sens du courant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ions Na+, ils vont se diriger vers la borne E1. Ok ? Et donc, Cl- c'est chargé. Négatif. Donc ça veut dire que ça va suivre le sens des électrons. Vous voyez ce que fait ma souris ? Donc ça veut dire que ça va se déplacer vers la borne E2. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour les ions Na+ et Cl-. Donc, du coup, si je regarde mon dessin, les électrons, ils partent de E2. Ils vont vers E1. Alors maintenant, c'est Marion, alors à quelle électrode, E1 ou E2, j'associe cette équation à cette équation ? Alors il faut bien regarder le sens des électrons en fait. Est-ce qu'ils sont pris ou est-ce qu'ils sont libérés ? Alors, qu'est-ce qu'on constate sur le dessin ? Alors... Enfin, si je prends E2 par exemple, E2, qu'est-ce qu'ils font les électrons ? Ils partent ou ils arrivent ? Ils partent. Ils partent. Donc ça veut dire qu'ils sont libérés. Donc s'ils sont libérés, ça sera quelle électrode ? Enfin, je veux dire, ça sera quelle équation en fait plutôt ? Est-ce que c'est la première ou la deuxième ? Pour E2. La première. La première, regarde où ils sont les électrons. Ils sont à droite ou à gauche ? Donc s'ils sont à gauche, c'est que tu les prends. Si on les prend, c'est qu'ils arrivent. Bah la deuxième alors. Eh bah oui, il n'y a pas le choix. Donc là, c'est la deuxième. Donc E2, on libère des électrons, et donc ça veut donc dire que celle-là, on prend des électrons puisqu'ils arrivent. Comme ils arrivent sur E1, on va les prendre. Donc du coup, l'électrode E1, on a quoi comme réaction ? C'est une réaction d'oxydation ou de réduction, la première ? De réduction. Oui, de réduction, puisqu'on prend des électrons. Et qui dit réduction dit... Comment elle s'appelle, l'électrode ? Cathode. Voilà. Donc là, on va avoir, pour la borne E en tout cas, on aura une cathode. Et la cathode dans une pile, c'est quelle borne ? Je précise bien dans une pile. Plus ou moins ? Moins. Et non. Pour une pile, voilà, c'est l'inverse, c'est un électrolyse, ou c'est moins. Mais dans une pile, c'est plus. Ce qui fait que si on a ici une oxydation, on a dit, donc je mets un O pour oxydation, là je mets un R pour réduction, réduction cathode, oxydation, anode. Anode. Voilà comment il faut raisonner. D'accord ? Et l'anode, ça sera la borne ouais. Moins. Ok ? Ok. Voilà. Voilà ce qu'il fallait répondre pour cette question.
Voilà, ben, je crois qu'on a répondu à peu près à toute la partie. Alors, pour la question suivante, je vais demander à qui c'est qui déjà Eléa. Donc, je vais demander à Eléa de répondre à la question C. Citer des procédés utilisés pour protéger le fer contre la corrosion. Je t'en demandais juste deux, Eléa. Il y a les traitements de surface. Oui, c'est-à-dire, il y a plein d'exemples. La traitement de surface, ça veut dire soit on met de la peinture, du vernis, soit on fait de la galvanisation en mettant du zinc fondu, par exemple, sur la surface de fer. Donc voilà, ça c'est le traitement de surface, ok. Et est-ce que tu en connais un deuxième ? Il y a la protection cathodique. Et très bien, la protection cathodique, c'est-à-dire qu'on fait une électrolyse et on met le fer qu'on veut protéger au niveau de la cathode pour qu'il soit protégé. Voilà, bah très bien. Donc voilà quelques exemples de protection contre la corrosion. Alors, je continue, très bien. Ensuite, j'ai... Donc c'est Manon, après Manon, que j'ai sur ma liste. Alors Manon, eh ben en fait, je vais te proposer une protection de canalisation enterrée. Donc là, voilà le circuit. Donc là, il y a la canalisation en fer qui est donc sous terre, qui est enterrée. Il y a une plaque de fer qu'on marque du fer à sacrifier, en fait. On veut que ce soit ça qui soit attaqué. Et on met une batterie. Donc la question, c'est en gros, eh ben, comment va circuler le courant, où va se situer la borne plus et la borne moins, et comment vont circuler les électrons dans tout ça, pour que la canalisation en fer soit protégée, bien sûr. La borne plus, elle va se trouver sur la plaque de fer. Alors on va vérifier ça. Alors, tu me dis la borne plus, je la mets, tu me dis à... À la plaque de fer. La plaque de fer ici. Ok, donc là la borne moins sera ici. Ouais. Ok. Alors comme on a une batterie, c'est une batterie externe, on a ce qu'on appelle c'est plus une pile dans ce cas-là, on avait appelé ça une électrolyse. Donc c'est l'inverse d'une pile. Donc comme c'est l'inverse d'une pile, la borne moins, c'est plus l'anode. Du coup, la borne moins, ça sera là. Du coup, c'est l'inverse. Du coup, la borne moins sera la plaque et donc, ça sera la cathode. Donc ça veut dire que ça sera la cathode. Voilà, je la mets ici. Ok, donc là, ça sera la cathode. Et du coup, la borne plus... Ça sera l'anode. Ça sera l'anode. Donc l'anode, je la mets de ce côté-là pour l'électrolyse. Ça va pour tout le monde ? Et alors du coup, qu'est-ce qu'on a dit aussi tout à l'heure ? On a dit que ce soit pour une pile ou pour un électrolyseur, à la cathode, on aura toujours une réduction. Et du coup, on a et dit à la qu'à la node, oxydation. Donc déjà, voilà ce qu'on connaît déjà au départ. Bon, voilà. Ça va pour tout le monde là jusqu'à présent. Alors maintenant, il faut vérifier si on ne s'est pas trompé entre le plus et le moins. Donc on a dit que les électrons, ils partent toujours de quelle borne à quelle borne. Enfin plutôt, avant de parler des électrons, on va plutôt parler du courant. Le courant, il circule comment ? Je prends une autre couleur. Là, c'est notre générateur, c'est la batterie. Donc le courant, il va de quelle borne à quelle borne d'habitude ? D'habitude, il va de la borne moins à la borne plus. Ah non, non, non. Le courant, quand tu as une pile ou un générateur, le courant, il part toujours de la borne plus. Il traverse la Terre parce que la Terre, il y a des ions, c'est conducteur. Et il revient à la borne moins. C'est toujours comme ça qu'il fait le courant. Ce qui fait que du coup, les électrons, eux, qu'est-ce qu'ils font ? On vient de le dire tout à l'heure. Ils vont à l'inverse du courant. Voilà, ils font faire comme ça, les électrons. Donc ça, j'ai mis en bleu, c'est les électrons. Ça va, ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les électrons, on voit qu'ils arrivent sur la canalisation.
Alors, comme ils arrivent sur la canalisation, eh ben, ça veut dire qu'on a bien une réduction. On va, on va les récupérer. On va prendre les électrons. Donc, c'est bien le bon sens. Voilà. Voilà comment fonctionne une canalisation enterrée. Il faut une batterie externe et il faut toujours que la, ce qu'on veut protéger, ce soit la cathode. Et la cathode, ça sera toujours relié à la borne moins du générateur. Voilà, c'est ce que Eléa a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appellera la protection cathodique. La canalisation constitue la cathode. Ok ? Voilà, très bien. Alors, on va continuer. Alors là, pour la suite, j'ai pris un sujet de bac STD2A qui traite un peu du même thème. Et je vais demander à... Et ben, ça tombe bien, ben Romain, comme tu as fait STD2A, ça tombe bien. Donc ça concerne les pièces de monnaie. Alors en plus, les pièces de monnaie, ça convient tout à fait avec votre thème que vous abordez en ce moment, c'est l'identité. Puisque justement, quand on fait des pièces de monnaie, on va servir de moules en céramique pour créer des pièces, des surfaces particulières sur des pièces en métal. Et pour faire ça, on utilise des moules avec des formes prédéfinies, en terre cuite généralement, et pour ensuite faire des rondelles. Et ces rondelles, on va leur donner une identité. Et on s'aperçoit que ces pièces de monnaie, avec le temps, sachant qu'elles sont, vous dit, constituées d'un alliage, apparemment d'un alliage de bronze qui contient apparemment du cuivre, et ben on s'aperçoit que, et ben voilà la photo, et ben qu'il y a une certaine altération. Alors la première question, je vais passer le document d'avant. La première question, c'est quel est le nom du phénomène décrit par altération structurelle dans ce document ? Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça finalement ? Le mot qui est là. Altération. Bah ça ne détruit pas la pièce, ça la protège en fait. Ah ben altération, c'est plutôt moi un synonyme pour moi, c'est dégradation, altération. C'est vrai. Donc une altération, ça veut dire que ta pièce, au départ, si tu veux, elle ne devait pas avoir cette couleur-là. Non, elle doit être couleur cuivre à peu près. Eh ben oui, puisqu'on a un alliage à base de cuivre. Alors, ça sera plutôt jaune-rouge à peu près, on va dire, la pièce. Et là, on s'aperçoit qu'elle est de quelle couleur ? Vert-bleu. Oui. Et comment ça porte un nom, regarde. Le vert de gris, oui. Voilà. Donc ça veut dire quoi alors finalement ? C'est dû à quoi ce vert de gris ? On parle d'altération structurelle. Ben c'est le cuivre. Oui, mais... La galvanisation ? Ah non, la galvanisation c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on a dit que la galvanisation, tu devais mettre du zinc sur un métal. C'est ça la galvanisation. Donc là, il n'y a pas de zinc là-dessus. Désolé. Non, c'est pas de la galvanisation. Mais quand on a dit altération, moi je vous ai dit, ça veut dire... Un synonyme, c'est dégradation. Comment ? L'oxydé ? Eh ben oui, c'est de l'oxydation en fait, c'est de la corrosion. C'est ça que ça veut dire l'altération structurelle. Ça veut dire que c'est une dégradation de la structure. Donc si ça se dégrade au niveau de la structure, c'est que le matériau, en tout cas l'alliage, ben, il a subi une corrosion, une oxydation. Voilà, c'est ça le mot altération structurelle. C'est bon pour la première question ? Alors ensuite, ben, je vais demander à quelqu'un d'autre. Donc après c'est elle, c'est qui déjà ? C'est Lucie. Alors Lucie, il faudrait que tu me cites deux composés chimiques qui provoquent ou accélèrent cette altération structurelle. Si je comprends bien la question, on pourrait parler par exemple du sel, de l'eau salée, comme on avait parlé pour la structure des affaires ou les perles de bateau, c'est ça ? Voilà, très bien. Ça, en gros, c'est un facteur, voilà, c'est ça. Un facteur qui accélère la corrosion. Donc il y a l'eau salée, ça c'est très bien, c'est un bon facteur. Est-ce que tu en vois un deuxième ? Après, il y a l'eau tout court, mais avec l'eau salée, ça en plein milieu. Oui, l'eau aussi, parce que pourquoi est-ce que l'eau va un peu attaquer ? Tout simplement parce que qu'est-ce qu'il y a aussi dans l'eau, en plus du sel, il y a aussi un autre élément qui se dissout dans l'eau et qui peut attaquer le matériau. Comment ça se fait que les poissons ils peuvent rester dans l'eau ? Ah oui, voilà, il y a de l'oxygène, il y a du dioxygène, et le dioxygène c'est aussi un agent de corrosion. Et en plus le dioxygène plus l'eau,
Et ben, mm-hmm. ça fait quand même deux effets quand même. Donc ça accentue bien la corrosion aussi. Ben voilà, très bien. Après, on a vu qu'il y avait d'autres choses. Hein. Il y a, rappelez-vous, on a l'acide. L'acide, ça attaque les métaux aussi. Donc c'est aussi un agent de corrosion. C'est ce qu'on appelle les plus acides, par exemple. Voilà, donc c'est des exemples de facteurs de corrosion. Ben, très bien. Alors ensuite, je vais demander à qui après ? Ah bah Solène, tu vas me dire comment, on l'a vu ça aussi, comment se nomment les métaux qui restent insensibles à ce phénomène, et citer deux exemples. C'est les métaux nobles. Oui, très bien. Alors je t'en demande juste deux. Bon, je vous en ai donné trois la dernière fois. Y a l'argent, l'or, le platine. Et ben voilà, c'est les trois que je vous avais donné. Très bien. Ok. Alors on continue. Des moules en céramique, donc ça c'est la prochaine partie qu'on va faire justement. Des moules en céramique permettaient de fabriquer des pièces en y coulant des alliages. Alors je vais demander à après Solène, Oran, de me dire qu'est-ce que c'est pour toi un alliage et donner un exemple, mais qui n'est pas cité dans les documents. Alors, déjà, c'est... Un alliage, c'est un assemblage de métaux. Oui. C'est au moins deux métaux différents, au moins. Il peut y en avoir deux, comme trois, ou voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appellera un alliage. Alors maintenant, il faut que tu m'en cites un, mais qui n'est pas cité dans le document. Alors celui qui est cité dans le document, c'est celui qu'on appelle le bronze. Et on a dit qu'il y avait du cuivre dedans, c'est pour ça qu'il y avait du vert de gris. Mais déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le bronze ? C'est du cuivre avec quoi ? Je sais pas. Tu sais pas, c'est de l'étain. L'étain avec le cuivre, ça fait du bronze, ça fait une sorte d'alliage un peu jaune. Et il y en a un autre que vous connaissez peut-être, qui est aussi à base de cuivre. Alors je vais vous donner un indice. C'est un alliage à base de cuivre et de zinc. Il est connu celui-là. Comment le ? Le nickel peut-être ? Ah non, le nickel c'est un métal, c'est pas un alliage. Un alliage, mais vraiment un alliage constitué de zinc et de cuivre. Il est connu celui-là en plus. Le laiton ? Eh oui, c'est le laiton. Et un autre aussi alliage que vous connaissez, moi je vais vous parler de l'acier. Pourquoi l'acier c'est un alliage ? Oui. Il contient quoi ? C'est un mélange de fer et de carbone. Eh oui. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il y a la fonte aussi. La fonte aussi, il y a du fer et du carbone dedans. Et c'est quoi la différence entre de l'acier et de la fonte ? Le taux de carbone. Les masses, ouais, voilà. C'est ça, le taux de carbone. C'est-à-dire que si on a moins d'1% de carbone dans la structure, c'est de l'acier, c'est super résistant. Si on a jusqu'à à peu près 4 à 5% de carbone, là, c'est du bronze, c'est de la fonte. Et là, par contre, la différence, c'est que vous faites tomber quelque chose en fonte par terre. Et la chute, elle va vraiment casser le matériau, en fait. Parce que la fonte, c'est cassant. Voilà, c'est ça la différence. Ok. Alors, ensuite, pour la suite, je vais demander à qui ? À Cataldo. Alors, la question suivante, c'est la question du document numéro 5. On te dit dans Cataldo que le nickel se transforme en Ni2+. Donc, le document numéro 5, c'est celui-là. On dit que pour protéger des pièces de monnaie, en y déposant du nickel, on peut protéger la pièce de monnaie. Et en effet, lors de l'attaque par un agent corrodant, le nickel se transforme en Ni2+. Donc là, ce que je vais te demander, du coup, Cataldo, c'est de m'écrire l'équation qui permet de passer du nickel à Ni2+. Voilà. Donc l'équation d'après, je la mets après, mais bon. Alors pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc tu as du nickel, voilà, qui va se transformer en Ni2+. Alors je t'écoute, Cataldo. Comment tu vas équilibrer l'équation ? Oula. Ah. Je sais pas, moi. On en a fait plein en plus. Hein. C'est des réactions d'oxydoréduction. Alors, il faut d'abord équilibrer les éléments. Donc, tu as 1Ni, 1Ni. Et tu as combien de charges plus ici à droite ? 2. Et à gauche, il n'y en a pas. Ouais. Alors, c'est quoi l'astuce pour se ramener à 0 là aussi ? Pour compenser les 2+. Qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute ? -2. Alors, pas moins, puisqu'il va falloir plutôt le.
Alors moins 2, oui. Ça veut dire qu'il y a deux charges moins. Et comment tu vas les rajouter, les deux moins? En rajoutant plus... Plus 2. Alors, plus de quoi? Plus de... O. De quoi? De O. Ouais, mais les O, il n'y en a pas à gauche. Il y a deux plus. Les électrons. Ah, voilà. Et les électrons, c'est chargé moins. Donc, 2 moins, 2 plus. Tu es d'accord que c'est équilibré? Et alors, du coup, oui. Cataldo, la réaction que tu viens de m'équilibrer, là, c'est une oxydation ou une réduction? Sachant qu'on libère les électrons. C'est une oxydation. Voilà, très bien. Donc là, tu viens de m'équilibrer une réaction d'oxydation. Et ensuite, ce anhydre de plus, là, qui vient de se former, et ben on sait qu'il réagit avec l'oxygène de l'air. Et il va donner cette équation. Donc là, c'est déjà équilibré, en fait. Donc là, on prend des électrons. Donc tu es d'accord que là, ça sera une réduction. OK ? Alors maintenant, je trace un trait. Voilà. Et ce que je te demandais, ben, c'est de me faire l'oxydoréduction. C'est-à-dire, tu as deux électrons ici, deux électrons ici, donc c'est équilibré. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais mettre une flèche comme ça. Ben, il faut juste que tu m'additionnes tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. OK? Alors, qu'est-ce que tu as comme élément à gauche? Ni. Donc, il y a Ni, je le mets ici. OK. Plus. Plus. T'as quoi d'autre encore à gauche? Ben, deux O moins. De quoi? O. Moins deux, c'est ça? C'est un moins qui est au-dessus. Où ça? Bah, ici. Là où il y a votre souris. Là, il y a O2. Là, il y a Ni de plus aussi. Donc, je peux le mettre là aussi. Il y a Ni de plus. J'ai plus qu'à relire. OK, plus O2, tu m'as dit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je peux rajouter les deux électrons, là. Mais comme il y en a deux à gauche, deux à droite, bien, ce que je peux faire déjà, c'est les éliminer. Parce qu'il y en a deux électrons à gauche, deux électrons à droite, donc je peux les éliminer. Alors, qu'est-ce qui va rester du coup à droite? Ni. Non, il est à gauche. Ni, il est à gauche, regarde. Je parle à droite maintenant. Donc, qu'est-ce que tu as? Ni. Bah, deux électrons. Alors, oui, mais on les a éliminés. Ils sont partis. Bah, Ni, alors. Non, Ni, il est à gauche. Il n'y a plus rien, alors, je sais pas. Non, et bien, regarde, qu'est-ce que tu as à droite du égal? C'est pas Ni que tu as, c'est Ni 2 plus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, tu m'as dit Ni. C'est pour ça que je te fais rectifier à chaque fois. Donc c'est Ni2+, plus, qu'est-ce que tu as d'autre encore? Il reste encore quelque chose à droite? Des oxygènes. Avec? Ni. Voilà, donc c'est Ni, le nom du produit, enfin voilà, oui, NiO2, voilà comment ça va s'appeler. Alors maintenant, est-ce qu'on peut simplifier des choses dans ce que j'ai marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux simplifier? Que tu retrouves à droite et à gauche? Alors, je vais même t'aider, qui est identique à droite et à gauche. Un nid de plus? Oui. Donc, comme tu as un nid de plus à gauche et un nid de plus à droite, c'est comme si tu avais plus 2 en maths, plus 2 à gauche, plus 2 à droite, tu enlèves le plus 2. Donc là, c'est exactement pareil. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester ça. Il va rester Ni plus O2 qui va donner NiO2. Voilà l'équation qui correspond finalement à l'oxydation du nickel. Ni plus O2 donne NiO2. Et ce qu'on vient de trouver... Et eh bien, si on regarde ce qu'on vient de trouver, c'est. Où est-ce que c'est
Ben voilà, c'est la somme des deux équations, donc c'est ce qu'on avait répondu à la question 7. Ah oui, il y avait juste une question. L'ion nickel est-il oxydant ou réducteur? Et le nickel, il est oxydant ou réducteur, en fait. Alors, il faut juste répondre à cette question. Ben, je vais demander à Louis qui nous a rejoint. Loïc, est-ce que tu peux me dire, je te remets ça, est-ce que Ni, qui est là, est-ce que c'est un oxydant ou un réducteur? Réducteur. Oui, c'est un réducteur, très bien. C'est un réducteur parce que on sait qu'un réducteur, il libère des électrons. Et on a, vous rappelez la phrase que je vous avais donnée? Le réducteur s'oxyde. Donc le réducteur subit une oxydation. Et donc, Ni2+, ça sera donc un... Un oxydant. Puisque l'oxydant, il va prendre des électrons. Le réducteur, il va libérer les électrons. Donc Ni, c'est le réducteur. Ni2+, c'est l'oxydant. Ça va pour tout le monde, là, toutes ces questions? Est-ce qu'il y a des questions ou pas sur ce qu'on vient d'écrire? Cataldo, est-ce que ça va mieux, l'oxydoréduction? Pas trop, non. Pas trop, hein. J'ai rien compris. Ah. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que quand tu as un oxydant et un réducteur, il faut toujours que tu équilibres en rajoutant des électrons pour compenser les charges. Un électron, c'est toujours négatif, ça doit toujours compenser des charges plus. Ensuite, une fois que tu as équilibré ton équation, donc soit tu as une oxydation, soit tu as une réduction. Donc en face, il y a forcément la réaction qu'on appellera oxydation ou réduction. Et après, tu dois toujours additionner tout ce qui est à gauche ensemble, tout ce qui est à droite ensemble. Et après, tu simplifies. Voilà, c'est ça la méthode. Ok. Voilà, faut toujours procéder. En fait, pour moi, il y a trois étapes. Il y a d'abord l'écriture de l'oxydation ou de la réduction. Tu équilibres bien en rajoutant des électrons pour équilibrer. Et ensuite, tu additionnes tes deux demi-équations pour faire ce qu'on appelle l'équation d'oxydoréduction. Voilà, ça la méthode pour moi. D'accord? Ouais. Ok. Et alors enfin, il restait une dernière question. Donc on va la poser à... c'est Natis qui nous a rejoint aussi. Bonjour Natis. Bonjour. Et bien Natis, tu vas me dire, on en a parlé la dernière fois. Alors NiO2, on te dit qu'il forme une couche protectrice sur la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu nous as rejoint en cours de route, on a dit que sur les pièces de monnaie, pour les protéger, justement pour éviter qu'il y ait ce vert de gris là par exemple, on dépose du nickel dessus. Et c'est le nickel qui va s'oxyder par rapport à la réaction qu'on vient d'équilibrer avec Cataldo. Donc, ouais, c'était avec Romain, non? NiO2, c'est... Oui, il y a eu Cataldo et puis voilà. Ouais. Okay. Et alors ce NiO2 qu'on vient de trouver, qui vient de se former grâce à l'oxydation, on te dit qu'il forme une couche protectrice sur la pièce. Alors comment nomme-t-on ce procédé de protection d'un métal? On en a parlé pas mal là de ça. Galvanisation. Ça pourrait être un peu pareil, parce que la galvanisation, c'est un cas particulier. On a dit que la galvanisation, c'est lorsqu'on mettait du zinc sur du fer. Alors pour moi, la galvanisation, c'est un cas particulier d'un autre phénomène qui ressemble un peu à celui-là, où on va déposer du nickel qui va s'oxyder et qui sera sur la surface de la pièce pour la protéger. Et comment ça va s'appeler, ce procédé général de protection contre, pour éviter qu'il y ait ce vert de gris qui vienne se former? Non, tu vois pas? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Alors, je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple, par exemple, de pour protéger un métal, comme ça, celui de la Statue de la Liberté. Ou celui, par exemple... des gouttières, justement, les gouttières en zinc, elles ont le même phénomène. C'est peut-être la passivation. Eh bien, très bien. Voilà. C'est ça qu'on appelle le procédé de protection par passivation. C'est-à-dire, tout simplement, que pour protéger le métal, on va le recouvrir par un autre métal qui va s'oxyder. Et cet oxyde métallique là qui vient de se former, eh ben on a dit qu'il était imperméable à l'oxygène de l'air. Donc,
Bah, vu que c'est un oxyde qui est imperméable à l'oxygène, l'oxygène il peut plus passer à travers. Ça fait une barrière. Donc cet oxyde métallique qui va créer une barrière entre le métal et l'oxygène de l'air. Et donc du coup, ben voilà, ben le métal est protégé. Et c'est ça qu'on appelle la passivation. Mais comment on fait pour que les deux couches de métal se tiennent ? Et ben tout simplement, un peu comme la galvanisation, et ben en fait on fait fondre, on va faire fondre le nickel. Alors le nickel, je sais plus sa température exactement, mais je pense que ça doit être un peu comme le zinc, ça doit être dans les environs de 300, 400 ou 500, je sais plus exactement la valeur. Mais il suffit juste de porter le métal à cette température-là pour le transformer en liquide. On plonge la pièce, ben c'est la pièce de monnaie, on plonge la pièce de monnaie dans ce bain. On la ressort et dès qu'on ressort, on revient à température ambiante et le liquide qui s'est déposé dessus, bah, ça fait une couche homogène et elle se refroidit tout de suite. D'accord. Et elle va épouser en même temps, ça va faire une fine couche. Hein. Ça sera une fine couche et elle va épouser la forme de la figure de la pièce de monnaie. Donc on va quand même conserver la gravure qui sera donc sur la pièce de monnaie justement. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la passivation. Alors, pour terminer, le dernier exercice que je vous propose, donc on va reprendre un peu, ben, on va faire participer tout le monde depuis le début, c'est sur le penseur de Rodin. Alors, tout le monde connaît le penseur de Rodin, je pense. Oui, c'est connu quand même comme statue. Et alors, c'est une statue qui est en bronze, ben, comme les pièces de monnaie d'ailleurs. C'est encore un bronze, et on vous dit que ben, c'est connu le bronze, puisque c'est connu pour certains bijoux, on vous a dit, pour des outils, des statues, des armes, des monnaies. Et l'âge du bronze, on vous dit, s'étend de 2300 à 800 avant notre ère, donc ça, vous voyez que ça a duré pas mal de temps, en fait, toutes les conceptions en bronze. Et celui du fer lui succède à partir de 800 avant Jésus-Christ. Et donc le bronze est un alliage de cuivre, on vous dit, et d'étain. Et il peut contenir aussi du plomb et de l'aluminium, en faible quantité. Et le cuivre, on vous dit, voyez, il fond à 1084 degrés, lui. Alors son association avec l'étain abaisse considérablement ce point de fusion. La corrosion du bronze fait apparaître des zones vertes et noires. Et le bronze présente une bonne résistance mécanique à l'usure, des résistances moyennes à la corrosion. Et les qualités sonores des alliages en bronze expliquent son utilisation en campanologie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Le mot campanologie, ben, en fait, c'est la fabrication des cloches. Donc pour que ça puisse avoir une bonne résonance, eh ben on choisit des cloches en bronze parce qu'elles ont des qualités sonores qui sont pas mal, qui donnent un bon écho pour justement ce qui va frapper la cloche, le carillon, je sais pas comment on dit, produit un écho assez important. Donc voilà l'intérêt du bronze. Alors après vous avez d'autres documents qu'on va voir après. Normalement, en plus, il y a une classification, donc ça, vous connaissez. Il y a un petit document où on va essayer de répondre avec des questions. Alors, la première question, on va reprendre depuis le début. Donc, c'était Ferdinand. Voilà. Donc, Ferdinand, quels sont, ben, je viens d'un peu de le dire, les deux principaux éléments chimiques qui composent les bronzes ? Je l'ai dit en plus. Hein. Là, je peux... Alors je rappelle la bon, couleur du bronze. Cuivre. Oui. Cuivre. Et... Non. Que, j'ai pas entendu. Étain. Étain. Voilà, c'est ça. C'est de l'étain et du cuivre. Le cuivre c'est rouge. L'étain c'est plutôt gris. Et donc le gris mélangé avec le rouge, ça fera quelque chose d'un peu orange marron. C'est ça la couleur des bronzes en fait. Voilà. Alors ensuite, question suivante, ben Marion, expliquez ce que signifie les bronzes sont des alliages passivables et ensuite donner le domaine de pH dans lequel cette propriété est conservée et citer un autre mélange, un autre métal passivable. Alors on l'a dit tout à l'heure aussi. Alors, c'est quoi un alliage passivable ? On vient juste de le dire. Hein. C'est quoi sa propriété, en fait ? On vient de le dire dans l'exercice précédent. Alors, est-ce que quelqu'un peut l'aider ?
alliage passivable. C'est un alliage qui est recouvert d'une couche d'oxyde qui est imperméable à l'oxygène de l'air. C'est une couche d'oxyde qui va le protéger justement. Ce qui fait qu'il va se recouvrir au niveau de sa surface, en tout cas. Il va se recouvrir au niveau de sa surface d'une couche d'oxyde. Et cette couche d'oxyde va être imperméable à l'oxygène. Et il va empêcher donc que la corrosion se poursuive à l'intérieur du métal. D'accord. En tout cas, à l'intérieur de l'alliage, plutôt. Alors, donnez le domaine de pH dans lequel cette propriété est conservée. Alors voilà, je te mets ce document et tu peux trouver l'information. Dans quel domaine on va avoir cette passivation qui sera parfaite en fait, où le métal sera plus attaqué. Donc est-ce que c'est entre 3,5 et 6,5 ou est-ce que c'est entre 2,8 et 3,5 ? La réponse est dans le document, il y a juste à chercher. Entre 3,5 et 6,5. Oui, c'est ça. Je vous montre avec le. Je vais surligner. Moi, je vois que. Il se forme un alliage, en fait, ici, on le voit, ce nom d'alliage s'appelle la brochantite. Et on me dit que cette brochantite, elle reste stable dans le temps. Lorsque le pH est maintenu entre 3,5 et 6,5. Voilà, donc la zone de pH c'est 3,5 et 6,5. Et la question qui vient juste après, bon, je reviens là-dessus, non, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, voilà. Et comment est-ce qu'on appelle, c'est quoi le nom de cet alliage, on vous dit? Ça s'appelle de la brochantite. Brochantite, voilà. Donc c'est le nom de l'alliage. Ok. Ensuite, c'est qui vient après? Donc après, c'est Eléa. Donc Eléa. Il y avait l'expression. Donc, que signifie si tu as un autre métal passivable, j'ai oublié. Bah, Eléa, tu peux dire par exemple, est-ce que tu connais un autre métal qui est passivable? Le fer. J'ai pas entendu. Le fer. Ah non, le fer, il est corrodable, lui. C'est-à-dire que le fer, il rouille. Et comme il rouille, ça veut dire qu'il rouille en surface, mais aussi à l'intérieur. Par exemple, quand on a une épave, on voit qu'au niveau de l'épave, tout est corrodé, même à l'intérieur. Donc, en fait, il n'est pas passivable. Le fer, il est corrodable. Le zinc, alors ? Oui, le zinc, oui. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure des gouttières. Les gouttières en zinc que tu as chez toi, par exemple, sous le toit, en fait, elles sont en zinc. Ça veut dire que ton zinc, il va se recouvrir d'une couche d'oxyde, donc il va être un peu moins gris, ton zinc, mais cette couche d'oxyde va protéger le zinc de la corrosion. Donc c'est bien un métal passivable. Et un autre qu'on a vu tout à l'heure, c'était la statue de la liberté qui est en cuivre. Voilà des exemples de métal passivable. Alors maintenant, je te pose la deuxième question aussi, Eléa. Que signifie l'expression « l'étain SN est un métal moins noble que le cuivre » ? Il est plus corrodable. Eh bien, oui. C'est-à-dire que, pour montrer ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un petit dessin. L'étain, il est là. Le cuivre, il est là. Je prends une autre couleur. Et là, on a une échelle d'oxydant et de réducteur. Alors, vous vous rappelez comment elle marche, cette échelle? Les réducteurs, plus ils sont forts, plus je vais dans quel sens? Vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche. Oui, c'est ça, vers la gauche. Donc, ça veut dire que plus ça va être réducteur, donc je vais mettre PR, ça veut dire pouvoir réducteur croissant. Et je vais mettre à gauche, là j'ai un trait, je vais essayer de faire le trait direct comme ça. Voilà, comme ça. Du coup là, je vais avoir
à gauche, ce sera des oxydants. Donc ça sera le pouvoir oxydant croissant. Donc, c'est lequel des deux qui est le plus réducteur? Alors, c'est le zinc? Enfin, pardon, c'est l'étain ou le cuivre, hein? L'étain. L'étain. Et donc, comme tu m'as dit que c'était le plus oxydable, bah, t'as raison. C'est le plus réducteur qui va s'oxyder en premier. Donc, ça sera le plus oxydable. Donc, voilà. Voilà pourquoi on dit que l'étain, il est moins noble que le cuivre. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors ensuite, je vais demander à Manon. Alors Manon, quel anion, alors pareil c'est dans le texte, hein, quel anion est considéré comme responsable de l'altération des bronzes exposés aux précipitations? Alors, voilà, je te remets le texte. Voilà, à toi de me dire, quel anion est donc responsable de tout ça? Donc, quel anion est responsable du coup de l'altération des bronzes? Je sais que. Alors, je prends le temps de lire le texte. Tu as la réponse dans le texte. Mm-hmm. Parce qu'en fait, dans les bronzes, il y a un anion qui fait partie de la molécule, en fait, de la formule, qui va être responsable, on vous dit, des couches, ça va intervenir sur les couches d'altération des bronzes, par couche en fait. Ou c'est l'anion sulfate SO4-. Voilà, c'est marqué là. Les sulfates SO4-, sont des espèces chimiques contenues dans les précipitations qui sont les principaux constituants anioniques des couches d'altération des bronzes. Voilà, donc ce sont les ions sulfates qui sont responsables de l'altération. Ok, ben je continue. Ensuite, ben Romain. Alors Romain, donner le nom et la formule de la couche poreuse qui se forme sur les bronzes lorsque le pH est inférieur à 3,5. Alors pareil, la réponse est dans le document. Donc moi je voudrais le nom de cette couche poreuse lorsque le pH est plus petit que 3,5 et c'est une couche comme elle est poreuse, et ben elle va accentuer la corrosion justement. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle? SN de plus. Non, le nom, moi je voudrais le nom. Le nom de la couche qui est poreuse, qui va être responsable du coup de la corrosion, si seulement si le pH est inférieur à 3,5. L'entlérite. Voilà, l'entlérite. Donc c'est le nom de cette couche d'oxyde poreuse qui va laisser passer l'oxygène si on a un pH inférieur à 3,5. Donc voilà. Ok. Question suivante. Donc après Romain, je demandais à Lucie de me dire la demi-équation électronique relative au couple Cu2+Cu. Non. Alors, quand on dit couple Cu2+Cu, tu te rappelles, c'est oxydant / réducteur. Oui, d'accord. Mais c'était par rapport à demi-équation électronique, ça change quelque chose dans la façon de poser les choses. Je n'entends pas trop, redis. Est-ce que la demi-équation électronique, parce que le terme électronique, veut dire qu'on change quelque chose dans la façon de poser l'équation ou pas? Alors, parce que ça veut dire que c'est un terme, mais je ne comprends pas bien ce qui change en fait. Alors oui, donc dans cette équation, quand on dit demi-équation électronique, ça veut dire qu'en fait, c'est une équation qui va faire intervenir des électrons. D'accord. Alors maintenant, la question, c'est dans quel sens tu vas l'écrire? Est-ce que tu commences par Cu de plus? Est-ce que tu commences par Cu? Et bien, ça dépend de l'exercice. Donc, si tu regardes l'exercice, en fait, on va te parler du bronze. Mm-hmm. Et on sait que le bronze, c'est quoi? C'est du Cu de plus ou c'est du Cu?
Eh ben non, c'est un alliage. C'est du métal, c'est du cuivre. Donc c'est ça que tu as au départ en fait. C'est ça qui va être altéré, c'est ça qui va être dégradé. Donc c'est le cuivre qui va être dégradé. Et comme il va être dégradé, eh ben, d'après le couple oxydant-réducteur, on sait que le cuivre, il va se transformer en... Voilà. Et après, il faut équilibrer ça maintenant par des électrons, puisqu'on a dit demi-équation électronique. Électronique, ça veut dire il faut que tu rajoutes des électrons. Alors, de quel côté? Alors, oui, tu pars du CU parce que l'exercice, il te parle du penseur de Rodin. Oui, oui, oui. Le penseur de Rodin, c'est du bronze, donc il y a du cuivre. Donc, c'est le cuivre qui va réagir. Et qui va se transformer en Cu2+. Et alors, comment tu équilibres ça? Je prends une autre couleur pour montrer. Alors, tu as 2+, et là, tu n'as pas de charge. Et il faut mettre des électrons. Donc, où est-ce que tu vas les mettre? Je sais pas. Enfin, oui. On était parti de Cu2+, j'aurais fait Cu2+, plus 2E-. Et ben voilà. Ben, si tu pars de Cu, ça fera Cu2+, plus... 2E-. D'accord, ok. Alors justement, si tu étais parti de Cu2, oui d'accord, tu vois comme tu me dis, si tu es parti de Cu2+, tu fais plus 2 électrons. Et là, tu pars de Cu, donc tu libères des électrons. Donc si tu libères des électrons, c'est quoi comme réaction? Ah, on avait dit... On l'a dit, oui. Ah, tu te rappelles plus? Et quand on libère des électrons, on fait une... oxydation. Ok. D'accord. Alors on continue avec Solène. Alors Solène, pour expliquer la formation de l'un des produits de la corrosion, c'est-à-dire l'hydroxyde de cuivre, Cu2+, +2OH-, on envisage la réaction entre les couples O2OH- et Cu2+, Cu. Donc déjà, Cu2+, Cu, ben ça y est, Lucie l'a équilibré. Alors maintenant, il faut envisager le deuxième couple. Le deuxième couple, c'est O2OH-. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour équilibrer déjà? Alors, est-ce que c'est OH- qui réagit ou est-ce que c'est O2 qui est responsable de la corrosion? C'est OH-. Ah, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en plus, les facteurs de la corrosion, c'est qui provoque la corrosion? C'est O2 généralement, c'est le dioxygène de l'air. Et si le dioxygène de l'air réagit sur le cuivre, alors là, il va se transformer, après on te dit en OH-. Alors ce qu'on va d'abord faire, en fait, on va dire que le couple que je vais vous donner au départ, c'est O2H2O, et on expliquera l'OH- après. On l'avait déjà fait cette équation. Alors comment est-ce qu'on va équilibrer cette équation là justement? O2. Il y a deux oxygènes. Oui, mais il y a deux oxygènes. Et là, il y a combien d'oxygènes à droite? Un seul. Donc qu'est-ce qu'on fait? On en met deux. On en met deux. Ça fera 2H2O, comme ça fait deux oxygènes. Et ensuite, comment je fais pour équilibrer, sachant qu'il y a combien d'hydrogène à droite? 4. Donc je vais mettre plus 4 quoi alors là? 4H. Alors H tout seul, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe? On avait dit H+. H+. Et comme il n'y a pas de charge à droite, et ben qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à gauche pour pas qu'il y ait de charge non plus à gauche? Électrons. Voilà, 4 électrons. Et là, comme les électrons sont à gauche, on les prend, on aura donc une réduction. Alors, c'est pas tout à fait l'équation qu'on t'a donnée. Pourquoi? Parce que on a parlé d'OH-. Et là, on a des H+. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? H+, c'est quoi? C'est plutôt acide ou basique? Acide. Acide. Et OH-? Basique. Et oui. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour les enlever, ces H+?
on va juste rajouter, on va les neutraliser. On avait vu déjà ça. On va les neutraliser en rajoutant quoi ? 4. Mmh. 4H moins. Parce que 4H plus 4OH moins, ça va se neutraliser, ça va faire de l'eau. Mais si on met 4OH moins à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire aussi à droite ? Il faut aussi que je rajoute, pour ne pas changer l'égalité, 4OH moins. 4OH moins aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va rester si je récapitule tout ? Ben, il va rester O2 plus H plus plus OH moins. On a dit que ça faisait de l'eau. Ça va faire 4H2O. Voilà. Plus 4 électrons égale, et ben il reste 2H2O plus 4OH moins. Ok. Alors maintenant, moi je dis qu'il peut y avoir quelque chose qui peut se simplifier. Qu'est-ce que je peux encore enlever dans cette équation ? H2O ? Oui. Il y en a combien à droite, il y en a combien à gauche ? À gauche, il y en a 4 et à droite, il y en a 2. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire, du coup, si je simplifie ? Diviser par 2 ? Oui. Si je divise par 2, ça veut dire qu'il n'y a plus d'H2O à droite. Et à gauche, il va rester, si je divise par 2, 2H2O. D'accord ? Alors, très bien. Alors, on va demander maintenant de faire la somme des deux, c'est-à-dire la question 7.2, l'équation d'oxydoréduction globale. Donc, on va demander ça à Oran. Alors, Oran, il faudrait que tu me fasses donc la somme des deux équations, en fait. Donc, tu vois, je trace un trait, comme ceci. Alors maintenant, est-ce que je peux additionner directement l'oxydation et la réduction ? Non, ah. On multiplie l'oxydation par 2 pour qu'on se retrouve avec 4 électrons aussi. Très bien. Comme ça, 2 fois 2, ça fait 4 électrons à droite, 4 électrons à gauche. Et là, c'est équilibré au niveau des électrons. Alors, qu'est-ce qui va rester ? Du coup, je mets ma petite flèche au milieu, comme ça. Qu'est-ce que j'ai à gauche ? Alors, du coup, il reste Tu. Et non ? Tu m'as dit que tu multipliais par 2. 2 Cu, pardon. Voilà, donc il reste 2 Cu, il ne faut pas oublier de multiplier par 2, plus, alors il reste tout ça encore. Plus O2. O2, plus. Plus 2H2O. Voilà, donc ouais, 2H2O. Toi, tout ce qu'on a à gauche. Alors maintenant à droite. Ici. Et alors à droite, on a 2 Cu de plus. Oui. Plus 4OH. 4OH moins. Et ben voilà. Voilà l'équation qui reste. Donc on forme du OH moins, on forme du Cu de plus quand le dioxygène attaque le cuivre. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, on est bien en milieu basique parce qu'il y a du OH moins. Vous voyez ? Donc voilà l'équation d'oxydoréduction. Oui. Très bien. Alors il me reste deux petites questions pour terminer. Le dioxygène subit-il une oxydation ou une réduction ? On va demander ça à Loïc. Alors Loïc, je te remets la diapo. Est-ce que donc le dioxygène subit-il une oxydation ou une réduction ? On y a un peu répondu. Le dioxygène, il est là. Alors qu'est-ce qu'il subit comme réaction ? Une réduction. Une réduction, puisqu'on prend des électrons. Donc ça veut dire que l'oxygène, s'il se réduit, on appelle ça, ce sera un. S'il se réduit, l'oxygène, c'est que c'est forcément un oxydant. L'oxydant se réduit. Ok ? Et enfin, question 8.
Eh bien, ben Natis, pour la dernière question, du coup, ça en aura fait participer tout le monde. Dans une revue d'archéologie, on lit à propos de la corrosion des canons en bronze exposés à l'air libre sur une fortification. On remarque que les canons en bronze dans lesquels on a laissé un boulet en fer résistent mieux à la corrosion que ceux qui n'en contiennent pas ou ceux qui contiennent des boulets en pierre. Donc en utilisant le document numéro 2, justifiez cette remarque. Alors pour justifier cette remarque, il faut reprendre le document numéro 2. Donc c'est lequel ? C'est celui-là. Voilà, c'est ce document-là. Donc avec ce document, est-ce que tu peux m'expliquer, Natis, comment ça se fait qu'un canon en bronze résiste à la corrosion si à l'intérieur on lui met un boulet en fer, alors qu'un canon en bronze, si tu lui mets une pierre à la place du boulet en fer, ben il va se corroder plus vite. Ben, peut-être parce que le fer va attirer l'oxydant. La pierre, elle va pas attirer la chose qui fait que ça s'oxyde, alors on peut faire ça. Ouais, c'est un peu mal dire. La pierre, moi, je dirais plutôt qu'elle aura aucun effet, en fait. Oui, c'est ça. Déjà. Alors, du coup, comment est-ce que je peux savoir que le bronze sera protégé, du coup ? Il va moins bien résister, enfin, il va mieux résister à la corrosion que s'il n'y avait pas de boulet en fer. Parce que si on regarde. Il y a la question. La question, c'est : tu as un canon en bronze. Donc, je rappelle que le bronze, c'est de l'étain et du cuivre. C'est ça, le bronze. Ok. Et donc. Ton canon en bronze, tu vas lui mettre un boulet en fer à l'intérieur. D'accord ? Ok. Donc moi je veux savoir, c'est si tu mets un boulet en fer à l'intérieur, est-ce que justement ça va protéger le bronze ou pas ? Tu te rappelles la règle du gamma ? Cu2+ plus Fe qui donne Fe2+ plus Cu. C'est bien ça le gamma ? Oui. Donc si je réécris moi, qu'est-ce que je lis ? Moi je lis Cu2+. J'ai plus qu'à suivre le gamma. Plus Fe qui donne Fe2+ plus Cu. Après, je peux écrire la même chose avec l'étain, puisque il y a de l'étain dans le bronze. Donc, je peux très bien écrire aussi Sn2+, puisque il y a de l'étain aussi, plus Fe. Qu'est-ce que ça va donner d'après le gamma ? Ça va donner Sn. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien moi je vois que dans les deux réactions, moi j'ai ça. Dans les deux réactions, moi je constate que le fer, il se transforme en Fe2+. Alors ça veut dire que s'il se transforme en Fe2+, ben, qu'est-ce qui fait le boulet en fer à l'intérieur du canon ? Il se transforme en oxydant. Eh bien il se transforme en Fe2+, donc il s'oxyde. Et alors qu'est-ce qui fait le cuivre ? Et qu'est-ce qui fait l'étain ? Il devient réducteur ? Eh bien, il donne du réducteur, donc il donne du cuivre, hein, ou il donne de l'étain. Donc, ça veut dire que là, il faut rajouter 2 électrons ici, plus 2 électrons ici. Eh bien, ça s'appelle des réactions de réduction. Eh bien, qu'est-ce que tu constates du coup ? Qu'est-ce que tu en déduis de ces réactions ? Eh bien, j'en déduis que Fe2+ va s'oxyder à la place. Le fer va s'oxyder à la place du bronze. Eh bien, voilà. Ça voudra dire que si tu mets un boulet en pierre à l'intérieur d'un canon en bronze, eh bien, si les deux sont en contact, ben, c'est tout le boulet qui va progressivement se détruire. Et le canon, il va rester intact. Donc, ça veut dire que si on veut protéger le canon, il faut mettre le boulet en fer à l'intérieur. Et dès que tout le boulet en fer est complètement oxydé, ben, il faut le remplacer par un nouveau. Et comme ça, on est sûr que le canon en alliage, et ben, il sera protégé. D'accord.
D'accord. Voilà, voilà l'explication sur la revue d'archéologie, c'est dû à ça. Voilà. Ok. Et ben voilà, ben on va terminer là-dessus. Donc, ben je sais pas, est-ce que c'est plus clair pour ceux qui avaient un peu de mal, par exemple Cataldo, tout ça, est-ce que ça c'est un peu plus clair? Ça te paraît plus compréhensible ou pas? Ça va pour tout le monde? Et ben super, ben écoutez, si ça va, ben je vais vous laisser pour cette semaine. Alors, ce que je fais, c'est que je vous retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh ben, on terminera l'année, je vous ai dit, par les matériaux tels que les céramiques. On parlait des céramiques techniques, les verres aussi, les verres innovants et les matériaux innovants. Comme ça, ça pourra toujours vous servir pour des futurs projets, justement. Donc voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Ben, ce qu'on a fait, c'est que l'auteur de la partie oxydation-réduction, voilà. Yes. Voilà, on va passer à autre chose maintenant. Donc à d'autres matériaux qui pourront vous être utiles pour vos projets. Alors ça, par exemple pour le masque, ben, par exemple, je pense au coléoptère, là, oui, je ne sais plus qui avait fait le coléoptère. Ben, par exemple, le coléoptère, c'est un matériau qu'on appelle iridescent. C'est-à-dire que selon comment vous l'observez, le coléoptère, il peut changer de couleur selon l'angle d'observation. Et ben ça, on peut réaliser ça par exemple avec des verres, avec certains types de verres. Ou avec certains matériaux à cristaux liquides, on peut obtenir des matériaux qui ressemblent un petit peu à des coléoptères, justement. Vous voyez ? Donc en fait, voilà. Voilà pourquoi je voudrais vous parler des matériaux innovants. Ok ? Bon, mais écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir assisté. Donc je voulais juste avoir le nom des absents pour qu'on puisse envoyer le lien d'enregistrement aux absents. Donc Aurène était là, Lucie aussi. Il manquait du coup alors Alexandre, Quentin, je crois. Alexandre, Quentin, Éloi aussi, je crois, il manquait. Eloy et FB, ouais. Eloy, et puis ça va être tout, je pense. Ouais. Donc ça fait un. Comment? FB. Pardon, j'ai pas entendu. FB. Alors, moi j'ai compté donc Eloy, Quentin, Alexandre. J'ai oublié personne? FB. Ok, je renvoie la vidéo à tous les trois. Ok, écoutez, je vous remercie. Monsieur, il manque Fébé en absent. Ah oui, Fébé aussi, pardon. Oui, bien sûr, t'as raison. Ouais, Fébé. Ok, j'envoie aux quatre. J'envoie la vidéo aux quatre. Ok. Bon, je vous remercie en tout cas. Passez une bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.